Alors pourquoi je dis que c'est logique ? C'est parce que je suis un raciste, un méchant, un facho ? Non, pas du tout. Parce que le contexte a changé. Il fut un temps où les immigrés, faut ce que vous voulez, étaient de même culture et de même religion que les Français. Hein, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Polonais. Quand ils arrivaient en France, souvent ils fuyaient soit des dictatures, soit des problèmes économiques, on va dire. Et ils arrivaient dans un grand pays qui, à l'époque, était un modèle. Oui, bah, oui, 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 messieurs, dames. À l'époque, nous étions un grand pays. Et quand ils arrivaient, c'était presque une fierté, un but ultime de devenir français, de s'intégrer. Ils donnaient tous des prénoms français à leurs enfants, et dès la deuxième génération, bah, c'est bon, la greffe était faite, et il n'y avait plus du tout de différence entre un français qui s'appelle Martin et un portugais qui s'appelle Pinheiro ou n'importe quoi. Voilà, donc il n'y avait plus de problème. Ça s'appelle l'intégration. Ensuite, il y a eu une deuxième vague qui était les immigrés, on va dire, de cultures différentes, mais qui venaient vraiment d'abord seuls, souvent les hommes adultes, pour travailler, pour nourrir leur famille, pour envoyer de l'argent dans leur pays. Ensuite, on leur a accordé, c'était humain d'ailleurs, on leur a accordé le regroupement familial. Bon. Donc là, il faut pas nier. Que ce soit les Africains ou les Arabes, les Maghrébins, enfin toutes les minorités visibles, ont subi un racisme dégueulasse. Hein. Moi, j'ai vécu ça à Marseille, je veux dire, à l'époque, c'était les bougnoules, etc., enfin tous les mots possibles, imaginables, il y avait des ratonnades, donc ils ont souffert, mais pas parce que les Français sont spécialement racistes, c'est parce que c'est normal dans toute communauté humaine, quand il y a des étrangers, quelque part, il y a un certain rejet. Bon. Le problème, c'est que ce rejet a créé des frustrations et a créé une deuxième et une troisième, et alors maintenant une troisième et demie, génération de gens qui veulent venger leurs parents, qui veulent venger la colonisation, qui veulent venger l'esclavage, qui veulent tout venger. Et ils se mettent dans la tête qu'on est en guerre contre eux, nous, on va dire les méchants blancs français caucasiens, et qu'ils sont en légitime défense. Mais leur légitime défense, ça fait très longtemps qu'elle s'est transformée en illégitime attaque. Et on le voit tous les jours. Donc ces attaques sont permises par le culot. Le culot que leur ont donné toutes les associations antiracistes. C'est-à-dire qu'on les a enfermés dans un schéma où c'était des victimes. Donc une certaine, la gauche, il faut le dire, hein, pour des motivations clientélistes, a enfermé donc les immigrés, je schématise, hein, dans ce schéma-là. Bon. Partant de là, et ça se diffuse, entre eux, ils finissent par y croire. Ils finissent par croire que vraiment les Français sont très racistes, ils sont méchants, etc. Et que dans leur pays d'origine, tout va bien, la police est gentille, ils ont des aides sociales, ils fantasment hein, sur leur pays d'origine. C'est-à-dire que si on les remet là-bas pendant 15 jours, ils reviennent en courant et en disant merci la France. Mais bon, mais on les remettra pas là-bas, bien sûr. Donc ça veut dire que le culot a été monté et maintenant ils sont carrément dans une ambiance complexe de supériorité. C'est-à-dire qu'ils parlent des Français avec mépris. Les Français, pour eux, c'est vraiment des paysans, quoi. C'est des tocards, c'est des fachos, c'est des abrutis. Et donc, ils pensent que c'est justifié ce qu'ils font. Et ils pensent que ça va durer longtemps. Ils pensent que les Français, ils vont continuer, ça fait déjà 10 ans, 12 ans, ils vont continuer à être étouffés par attention, si on dit quelque chose, on est des racistes. Mais non, les gars, ça va pas durer longtemps. C'est qu'on va un petit peu se réveiller et on va remettre les pendules à l'heure, sans haine, sans racisme, juste avec la logique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, quand je parle d'attaques, c'est pas des viols, des attaques, des meurtres, etc. Je parle pas de ça. Je parle d'attaques au sens, enfin, je parle de ça aussi, mais je parle d'attaques au sens large, d'attaques de notre mode de vie, d'attaques de notre histoire, d'attaques de notre culture, d'attaques de nos valeurs, hein, de nos valeurs, même de nos lois. Hein. On conteste les lois sur la base de leurs lois religieuses dans un pays laïque. D'attaques de bonne foi, c'est-à-dire, enfin, de bonne foi, plutôt de mauvaise foi, c'est-à-dire de jouer sur la laïcité en l'interprétant à l'envers pour diffuser leur religion. Toutes sortes d'attaques au quotidien, dans un supermarché où il y aurait toujours des scandales, et le français qui baisse la tête, pas parce qu'il a peur, mais parce que c'est pas sa culture, les cris, les scandales, etc. Bon, bref. Donc tout ça, comment on va lutter contre ça? Quand je parle de logique, ça veut dire quoi la logique?
La logique, c'est que dans tout cerveau normal, même un petit peu lobotomisé, on peut expliquer les choses par comparaison. Et la logique, c'est la comparaison, et je dirais même mieux, juger, c'est comparer. Vous me connaissez, c'est ma méthode. Donc, on va poser la question à toutes ces associations antiracistes, communautaristes, agressives, etc. On va leur poser la question, comment ça se passe, comment ça se passerait plutôt si on inversait la situation. Là, c'est un grand débat qui va durer quelques semaines. Mais à la fin de ce débat, les esprits normaux comprendront qu'à un moment donné, il ne faut pas dépasser les limites. Et que le seul critère n'est pas la race, la religion, mais le respect. Voilà. Alors maintenant, revenons sur le sujet. Hein. Le sujet de l'article, c'était globalement un demandeur d'asile qui est débouté et qui n'est pas expulsé, hein, comme 80% dans ce cas-là d'ailleurs, que ce soit en Allemagne ou en France, hein, je pense que c'est les mêmes chiffres. Et donc, on relâche dans la ville en lui disant « Attention, monsieur, maintenant, c'est bon, vous devez partir. » Non, mais sérieusement. Mais qui pense que, dans ce cas-là, la personne va repartir, va prendre son petit billet, va rentrer chez lui, s'il n'y est pas forcé. Enfin, soyons sérieux. Donc, c'est tout à fait conscient. Donc, on relâche quelqu'un qui, dans sa tête, par rapport aux éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, est déjà venu dans ce pays pour se rembourser, hein, je crois que, si on résume, c'est un peu ça. Dans sa tête, il se dit que c'est une injustice. Hein? Donc il dit, bah oui, ça confirme, ces Français sont racistes, ils sont méchants, ils aiment pas les Noirs, ils aiment pas les Arabes, alors que c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est qu'il y a des lois, il y a des critères, mais dans sa tête, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de critères, il y a juste un seul filtre, les Français et les Blancs, globalement, sont racistes. Okay. Par contre, il ne se posera pas la question si lui, il aime les Blancs. C'est marrant, hein? ça fait partie des choses qu'on va étudier plus tard. Tous ces gens qui disent les Français ne nous aiment pas, mais eux, ils détestent les Français. Quand je dis Français, c'est Blanc, en l'occurrence. Donc on le lâche dans la nature. Et qu'est-ce qui devient ce mec-là? Celui-là, comme d'autres, ben, il est plein de frustration. Et à la première occasion, il aura l'impression de se faire justice. Il va violer une fille, c'est pas grave, il se fait justice. Il va voler, c'est pas grave, les Français le méritent, les Blancs le méritent. Et ainsi de suite. Et on relâche dans la nature, si j'ose dire, des dangers publics potentiels. Donc, c'est logique. Alors heureusement, hein, c'est même pas 1% qui font ça. Mais ce qu'ils font, ben, c'est tout à fait logique. Donc on va arrêter ça avec la mesure 55. Dorénavant, ben, c'est très clair, hein, les demandes de droit d'asile seront étudiées sur les pays sur place. Hein, sauf quand il y a urgence avec une vraie guerre, ce qui n'est pas le cas pour 99% des demandes actuelles. Voilà.